normalement durant la saison de foot, la défensive est ton chum, tu fais rien pour les blesser. Okay. Il y a certaines circonstances dans l'année où est-ce qu'on s'en va full pin un contre l'autre. L'exemple de ça, c'est aujourd'hui. Okay. Aujourd'hui, c'est le temps de montrer que tu es un joueur de football. C'est montrer que tu es un homme. C'est la première fois dans ta vie, je te dis. C'est la première fois dans ta vie où est-ce que les coachs comme nous, on te regarde pour la première fois comme un homme. Plus un enfant. Plus l'école secondaire, c'est plus les ligues civiles. Ou est-ce que c'est des mères, des pères qui s'organisent ça et fait du fun le fin de semaine? Là, ça commence à être une équipe élite. C'est une expérience de football bien différente de ce que tu as vu. Okay? Tout l'été, on va faire des plans. Tout l'été, on va dire, OK, pour nous, Reggie va être le partenaire R. Le QB va être temps, le running back va être temps. Basé sur qu'est-ce qu'on voit là. C'est notre dernière chance de te voir performer. Okay? Qu'est-ce qui est plus important, c'est que la dernière chose qu'on voit, c'est le mieux que t'es. Okay? Montre-moi qui t'es comme joueur de foot. Understand? Yes, coach! You're gonna have fun? Yes, coach! Let's go, bring it in. Go, boys! Woo! Guys, on fait une chose dans la saison, on fait tout pour gagner. So win on three. One, two, three. Win! Pour moi, les Lynx, c'est une famille, c'est 12 gars sur le terrain avec qui je joue, mais c'est une soixantaine avec qui je me tiens souvent. À l'école, en dehors du terrain, sur le terrain, c'est des gars avec qui je me tiens puis qui sont comme une famille pour moi. Je pourrais me sacrifier pour eux. Puis sur le terrain, je donne tout ce que je peux pour ces gars-là puis pour les Lynx. Pour moi, le football, c'est quelque chose de plus gros que simplement moi. C'est faire partie d'un autre monde. Quand j'embarque sur un terrain de football, j'oublie tout à part mon devoir, ce que j'ai à faire, mes coéquipiers. Pour moi, le football, ça représente vraiment un objectif de vie. C'est quelque chose qui est énorme pour moi, qui prend beaucoup de place dans ma vie. Ball rush, ball rush, ball! Oh! Yeah, baby! À la défensive, ils veulent tout démolir, ils veulent tout arracher sur leur passage puis essayer de rien donner à l'adversaire. Alors que nous, à l'offensive, ben, on est des gens qui vont essayer de créer quelque chose. On est un peu plus comme des artistes. À la défensive, moi, j'ai un coach qui m'a déjà dit, ils prennent les bâtons dynamite, ils mettent le feu, ils mettent ça dans le trou, puis si ça explose, ben, ils crient, ils fêtent, ils sont bien contents. Alors que nous, ben, on essaie d'empêcher d'éteindre cette dynamite-là, de construire quelque chose par-dessus puis que ce soit solide. J'essaie d'inculquer à mes joueurs mon savoir de football et mes connaissances. J'essaie de rendre ces joueurs-là meilleurs. Quand ils vont arriver au prochain niveau, ils vont être prêts à exceller, à tout le moins au niveau de la compréhension des systèmes et au niveau de la compréhension du jeu. Ma ligne défensive, sa principale qualité, je vous dirais que c'est non seulement sa force physique, mais c'est sa versatilité. C'est-à-dire être capable de bouger et d'être excessivement rapide tout en étant capable d'être physique sur le terrain. Donc d'être capable de contenir les blocs
et de faire des plaqués. Utilisez vos mains, have fun. S'ils n'ont pas leurs mains, ils ne peuvent pas vous bloquer. 1, 2, 3, 4, dominez. 1, 2, 3, 4, dominez! Shot d'eau. Un bon joueur de football, c'est quelqu'un qui est intelligent sur le terrain, qui sait se donner à 100% à tous les jeux, qui est capable de faire ce qui est demandé de faire. Parce qu'on a tout un jeu à faire, un douzième de job à faire sur le terrain. C'est quelqu'un qui est capable de le faire à 100%, qui est capable de le faire bien, qui est physique, intelligent. Tout est difficile, c'est des temps de réaction qui sont minuscules. On a 0.2 secondes pour lire un jeu, ça dure 10 secondes un jeu maximum. On a tellement d'informations qui me passent par la tête, fait que c'est vraiment d'être intelligent sur le terrain, de savoir réagir vite et d'être allumé. Un championnat se gagne pas au mois de septembre. Un championnat se gagne de janvier à novembre. Dans ton entraînement, dans le sérieux que tu vas y mettre, si tu décides de jouer au football aujourd'hui, dans le monde où on est, c'est plus comme dans mon temps. Moi, dans mon temps, on commençait à jouer au mois d'août, on commençait à pratiquer au mois d'août. On finissait au mois de novembre, puis c'était fini. Vous autres, à ce temps, c'était à l'année, les gars. Il n'y a plus de break. C'est vraiment un mode de vie. Donc, tu dis, je joue au football, je m'entraîne, je fais ma musculation, je fais ma course, puis après ça, je fais mon foot. Le camp, en général, ça s'est bien passé. Sinon, pour moi, je me suis blessé un peu, mais j'ai essayé de donner le plus que je pouvais. Et sinon, ça s'est bien passé. En général, j'ai donné, mais avec la blessure, je ne pouvais pas trop forcer dessus. Donc, j'ai relaxé un peu. Sinon, ça s'est bien passé. Puis rentendait. Puis dès qu'on court, on n'est pas un coureur, on est une passeur. Pour le reste, je pense qu'on est différent de l'année passée. On a quelque chose de spécial. Je sens cette année comme on est plus ensemble, on est plus réunis. Donc, une équipe de football qui est réunie, je pense que ça peut se battre contre n'importe qui. Je suis convaincu qu'on a une équipe pour gagner quelque chose cette année. Je veux pas m'avancer. Moi, j'y crois, par contre. Je veux pas avoir la prétention ou quoi que ce soit, mais moi, je pense qu'on peut tout gagner cette année. On peut aspirer aux grands honneurs. Il suffit qu'on gagne un match pour commencer la saison, puis notre confiance va être levée à ce moment-là. Dans le sens où on a progressé tout le week-end. Aujourd'hui, on a été flat en première demi. On a été dominant en deuxième demi. Guys, ce que j'ai aimé, c'est que j'ai entendu des bruits de casse. Des bruits de casse, ça me rend toujours heureux. Parce que je suis un gars stressé, vous le savez. Un gars stressé, je me stresse à rien. Ça me calme. Les bruits de casse me calme. Alors, guys, j'ai aimé ça parce qu'il y avait souvent deux ou trois gars et on se parlait sur le terrain. Maintenant, qu'est-ce que vous allez faire durant, avant le training camp? C'est vous mettre en forme et de penser à ça pour amener ce que vous avez vu là la saison prochaine. Puis ça commence contre Vanier de 18h. On se revoit demain, soyez en forme, performez. 1, 2, 3, 4, family. 1, 2, 3, 4, family.